Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du centre sportif de Warfa. Aujourd'hui, on va être parti pour une séance de cardio quiz. Les semaines précédentes, on a fait une séance cardio abdos, ensuite on a fait cardio fessier, et donc tout naturellement, on termine la série par un cardio quiz. Le bloc de cardio reste exactement le même que les semaines précédentes. À chaque fois, il va être entrecoupé d'exercices de quiz. Et au fur et à mesure, des exercices vont s'y ajouter. Vous allez voir, ça va être très simple. On commence, comme la semaine passée, le bloc de cardio par des petits pas. C'est parti! Les petits pas sur le côté. On commence en douceur à s'activer. On fait bien aller les bras sur le côté. C'est un échauffement de la totalité du corps. Et les petits pas sont bien dynamiques. Super, toujours bien les bras sur le côté. Des petits pas dynamiques. On rentre le ventre. Et on va enchaîner avec le pas du patineur. Donc je te rappelle le pas du patineur. Un pas sur le côté. La jambe vient se croiser derrière. Et puis de l'autre côté. Allez, super, on est légèrement penché en avant pour que la jambe arrière bien croiser celle qui est devant. Toujours les abdos bien rentrés. Allez, mes appuis sont dynamiques. Et j'enchaîne le pas du patineur, mais en allant toucher le pied qui est devant. Allez, la jambe vient toujours se croiser derrière. Et encore 3, 2, 1, et je suis partie en jumping jack. J'écarte et je referme, les bras sont sur le côté, je me grandis, et de nouveau mes appuis sont dynamiques, hop, hop, hop. Allez, on sent déjà que le cardio commence à augmenter. Et 3, 2, 1, j'ajoute les bras. Allez, les bras s'étendent bien en l'air. Allez, super. On continue comme ça. Encore 3, 2, 1. Un pied devant, un pied derrière. Et je chante. Les bras qui accompagnent sur le côté, toujours. Allez, super. On essaye de se tenir toujours bien droite. Toujours les abdos rentrés. Et on continue avec les bras en l'air. Allez, les bras bien tendus. Les paumes de main qui se regardent. Allez, c'est très bien. Et encore 3, 2, 1. Attention, je vais mettre les deux mains au sol. Un pied et je remonte, je me redresse. Je descends. Pied, 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 ça fait 2. Ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, allez super, 6, 7 et le dernier, je reste au sol, en planche et je vais monter à genoux puis l'autre. Ok, nickel. Mon bloc de cardio est terminé. J'enchaîne directement par les exercices de cuisses.
Premier exercice, je répète avec une jambe, une fente avant. Je me redresse, je lève le genou, opposé, fente. Exactement la même chose de l'autre côté. Attention quand je fais la fente. J'essaie que mon genou ne dépasse pas la toile de mon pied. Je lève le genou en coude. Je descends et je lève. Ça fait 2, 3, 4. Je me tiens bien à droite.
15 et 16. Ok, je reprends mon bloc de cuisses. Et je demeure par la fente et avec le lever de genoux. Une fente. J'enchaîne directement avec mes fentes. Allez, une première jambe.
8 fois. Je descends et je remonte, ça fait 1. Je descends et ça fait 2. Ça fait 3. Je descends, ça fait 4. Je bascule bien, mais je fais ça en arrière. Ça fait 5. Dynamique, hop, 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 et j'enchaîne avec les bras. Allez, très bien. 3, 2, 1, et jumping jack. Allez, super, on ne s'arrête pas. Jusqu'au bout.
kayak sauter. Et c'est parti pour 8. Fléchis bien les jambes à la réception pour ne pas se blesser les genoux. 7 et 8. J'enchaîne. Je descends sur une jambe. 8 fois. La jambe devant. Et 1. Et 2. 3. 7 et 8, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bloc cardio, les pieds sont parallèles, je bascule les fesses en arrière, je descends en squat, mes genoux ne dépassent pas la pointe de mes pieds, et je me redresse en sautant, ça fait 1, je redescends directement, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le dernier, 8, directement le petit pas, allez, dernier bloc cardio. On aura bien transpiré. On aura bien travaillé les cuisses. Allez. Et j'enchaîne le patineur. Encore 3. 2.
reprendre ton souffle, arrêter d'un petit peu transpirer, aller prendre une bonne douche. Après cette bonne douche seulement, tu peux faire quelques petits étirements pour éviter les courbatures. En attendant, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée !